Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale de Star Trek pour les nuls, le podcast, toujours sur les ondes de puissance maximale. Dans ce nouveau concept d'émission, nous revenons sur la noobitude des intervenants de ce podcast. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, Byron. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, impeccable. Et moi, je suis Rémi, et vous écoutez Star Trek pour les nuls. Star Trek pour les nuls. Alors, sans plus attendre, en fait, le concept de l'émission, c'est très simple. Je vais poser des questions à nos commandeurs. Donc là, Byron ce soir, Dragor suivra bientôt, et peut-être JP s'il veut bien. On commence direct. Byron, comment est-ce que tu as découvert Star Trek? Ouh là là, c'est vieux. Ah, c'est vieux. C'est vieux, façon de parler. C'était il y a 10 ans, maintenant, ça fait déjà 10 ans. Alors, j'avais quel âge à l'époque? Parce que j'en ai 23, donc j'en avais 13. Quand on dit que j'étais jeune. Je zappais sur les chaînes de télé et je suis tombé sur Sci-Fi qui diffusait Star Trek Voyager. Je me souviendrai toujours du premier épisode que j'ai vu puisque c'était la fin d'un double épisode. Ça a commencé à la fin de la saison 4 de mémoire et ça reprenait sur la saison 5 et c'était Dark Frontier. Mon anglais est un peu, voilà. T'en fais pas le mien non plus. J'ai que le prénom d'anglais, hein, c'est tout. De mémoire, la scène que j'ai vue, il me semble que c'était une torpille qui était tirée par le Voyager contre les Borg. Je sais plus parce que ça date d'il y a 10 ans. Je me souviens d'une confrontation entre Seven et la reine des Borg et direct j'ai accroché. Je me suis dit, quand je voyais la reine, je me suis dit, pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle a une sorte de truc implanté dans le crâne? Pourquoi elle a un corps, c'est-à-dire métallique, mais qui y ressemble? Et l'univers m'avait vachement plu dès le départ. Et j'ai continué en fait. Donc j'ai continué, je crois que c'était de la saison 5 jusqu'à la saison 7. Ensuite, vu que ce n'était plus diffusé à la télé, j'ai perdu Star Trek de vue. Et quelques années plus tard, je traînais sur le web. J'ai redécouvert Star Trek. Voyager, toujours. Et j'ai décidé de me refaire la série en entière. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment j'ai accroché à Star Trek. C'est une très bonne décision, ça. Ah oui, c'est Voyager. Je pense que c'est à cause de l'année de... C'est parce que ça a été lancé en 95, je suis de 95, je pense que c'est pour ça que ça a collé entre nous. qu'est-ce qui t'a inspiré, donné envie de continuer dans Star Trek? Pour moi, Voyager, c'est le pilier de Star Trek. Enfin, c'est grâce à Voyager que j'ai connu Star Trek. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment ma série préférée. J'ai voulu en découvrir plus, savoir qui étaient ces gens. La Voyager, c'est vrai qu'ils sont propulsés à l'autre bout de la galaxie, mais il y avait des références à d'autres séries. Quand j'entendais parler des Borg, je me suis dit, mais c'est qui? Quand j'avais regardé la série, le début de la série, je me souviens que la première confrontation entre le Voyager et les Borg, Captain Janeway mentionnait Jean-Luc Picard, a mentionné l'Enterprise, et je me demandais qui était ce Jean-Luc Picard, quelle était cette Enterprise. Et j'ai approfondi tout simplement. J'ai regardé juste le premier épisode de La Nouvelle Génération. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas la même chose que Voyager. Non. Je me suis un peu refermé en fait. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Mais de toute façon, on l'a vu quand on a fait l'épisode pilote. Le premier épisode de Next Generation est compliqué à apprécier. Ah oui. Alors là, c'était vraiment extrêmement compliqué. Et en regardant cet épisode pilote, je me suis dit... Parce que j'ai regardé l'épisode pilote, puis en même temps, je me renseignais sur tout l'univers Star Trek. Donc, sur comment les fans appréciaient l'univers, quelle était la série la mieux appréciée, quels étaient les points forts, les points faibles. Et en regardant ce premier épisode, je me suis dit, comment ça peut être la série préférée de tous les fans en soi? Je me suis dit, comment autant de gens peuvent apprécier cette série, alors qu'en soi, l'épisode pilote, il m'a pas marqué du tout. Et on va dire que j'ai
pas voulu regarder, j'ai pas continué la nouvelle génération et j'ai pas voulu découvrir ni la série originale ni Deep Space Nine. En revanche, plusieurs, je sais pas si c'était quelques années après, mais j'ai découvert Enterprise, donc une série un peu plus récente, Ouais, tout et à fait. j'ai vraiment accroché parce que je connaissais ni la série originale, ni la nouvelle génération, ni Deep Space Nine, et on va dire que ça m'a un peu réconcilié avec Star Trek. Ouais. Parce qu'en soi, c'est un préquel, donc c'est vraiment les tout débuts de l'exploration spatiale, tout début de Starfleet, premier vaisseau d'exploration, et j'ai vraiment accroché. Ouais, mais mais en fait, tu confirmes un peu ce qu'on disait dans l'épisode pilote, comme quoi la série Enterprise était vraiment un bon point d'entrée pour l'univers Star Trek, pour les nouveaux arrivants, en fait. C'est ça. Mais bon, déjà visuellement, c'est les années 2000, donc nous, on est moins choqués parce qu'on est de ces années-là. Mais même dans le rythme, le traitement. C'est vraiment un début, mais c'est pas un préquel façon film d'aujourd'hui. C'est vraiment une exploration totale de l'univers. Enfin, c'est bien maîtrisé, je trouve. En quoi Star Trek? Non, avant, non, j'allais te poser une autre question, mais tu disais, j'ai cherché un peu les communautés de fans. T'as une oubitude, je vais continuer d'utiliser ce mot, je l'aime bien. T'as une oubitude, en fait, tu l'as pas trop vécu seul de suite, t'as cherché les communautés ou tu restais en extérieur de tout ça? J'ai fait des recherches sur Internet, mais c'est pas pour autant que je me suis inscrit sur des forums ou sur des pages Facebook ou des sites de fans, parce que je regardais de loin en fait. Pour moi, au tout début où j'ai commencé à regarder Star Trek, ma série de référence c'était Voyager. Et après c'était Enterprise. D'ailleurs, ce sont toujours mes deux séries de référence, même si j'ai vraiment une préférence pour Voyager. Je suis resté vachement en retrait jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Mais en fait, dès que Discovery a été annoncé, là, je me suis dit, une nouvelle série Star Trek, faut que, enfin, je veux vivre cette série avec d'autres personnes. Je veux vivre cet événement avec d'autres personnes. Et je me suis un peu plus, comment te dire? J'ai perdu le mot. Mais Je vais pas dire engagé, mais bah, si, parce qu'en soi, j'ai créé la page Star Trek Discovery France. Du coup, j'ai créé aussi une page sur Twitter et bah, j'ai rencontré des fans. Enfin, j'ai voilà. rencontré sur les réseaux, hein, donc je les ai pas rencontrés en personne. Au tout départ, oui, effectivement, j'étais vraiment dans mon coin. J'ai essayé d'en parler autour de moi, dans ma vie de tous les jours. Ouais. Mon père a connu, enfin mes parents, mon père et ma mère ont connu la nouvelle génération. Et bon, bah, ils ont jamais accroché. Et je me souviens que ma mère m'a raconté qu'avec mon père et ses frères, ses petits frères à elle, ses petits et grands frères, ils regardaient tout le temps la nouvelle, pas la nouvelle, je vais dire la nouvelle génération. Ils regardaient la série originale, je crois que c'était tous les mercredis après-midi, toute la journée, ils regardaient tous ensemble. Mais pourtant, ils ont jamais accroché. Ouais, c'était le rendez-vous familial. C'est ça. C'est le rendez-vous familial de l'époque. Et du coup, quand j'en ai parlé à mon père, je lui ai dit, parce que mon père est très science-fiction aussi comme moi, donc voilà, moi j'ai quelqu'un à qui parler dans la famille, et j'ai essayé de lui parler Star Trek et tout, mais il m'a dit vraiment qu'il n'avait jamais accroché, donc vraiment pendant quelques années, je suis resté dans mon coin à aimer Star Trek tout seul. Ouais. C'est un peu la même histoire que j'ai vécue. Mon père, qui était fan de science-fiction, n'a jamais regardé Star Trek et ça lui donnait pas du tout envie. Alors qu'à côté de ça, par contre, je me souviens pas d'une époque sans avoir vu Star Wars parce qu'il le regardait très souvent à la télé. Les Star Wars, les Terminator, les Dune, je l'ai très souvent vu, pareil, parce qu'il le regardait à la télé. Mais Ouais. jamais Star Trek. C'est plus tard que c'est venu, quoi. Ah bah moi je peux te dire que Star Wars, ça j'en ai mangé quand j'étais petit. Ouais, c'est marrant. C'est vraiment cette Hein. génération-là, ça Ouais. les a Ouais. touchés. Cette page Facebook et Twitter, c'est incroyable parce que moi, je suis pas du tout un. Enfin, je vais sur les forums, mais sur Facebook et Twitter, j'ai juste la page Star Trek générale que je suis et
quand on est rentré en contact, en fait, j'ai liké ta page et je me suis rendu compte que j'avais plein de contacts qui étaient déjà, genre, mon beau-frère. Enfin voilà, qui aime Star Trek, mais il est pas, voilà, il est pas extrêmement accroché. Ouais. Et il avait liké la page il y a très longtemps. Mes deux beaux-frères, j'ai plusieurs amis. Je sais plus, j'ai plus la liste en tête, mais j'ai plein d'amis en fait. C'est une page qui est relativement bien suivie, je trouve. Il y a du monde. Et de toute façon, ben, tu l'animes pas mal. T'es tout seul? Je suis tout seul. Depuis le début, je cherche. Enfin, j'ai envie d'avoir du monde avec moi parce que c'est pas facile à gérer tout seul, sachant que j'ai en fait le Facebook, j'ai le Twitter et j'ai aussi un Instagram. Donc, je suis tout seul à gérer et je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je poste une annonce pour savoir s'il y aurait éventuellement des personnes intéressées pour m'aider à gérer avec moi. Mais écoute, tu viens de faire passer le message apparemment. Si Donc t'es on verra bien. intéressé aussi. Bah, je sais pas, il faut y réfléchir. Combien tu payes? Ça dépend, tu payes combien pour le podcast? Ah non, non, mais... Oui, bon, Ah. écoute, on en reparlera hors micro. sinon, qu'est-ce que... Je voulais savoir en quoi Star Trek t'a influencé dans ta vie quotidienne. Enfin, déjà, est-ce que ça a été... T'as influencé? Est-ce que ça t'a donné envie de faire des études dans l'astrologie? Dans l'astronomie, pas l'astrologie. On va dire que les études en astronomie, non. Tout ce qui est, comment dire, je suis pas quelqu'un de très étude. Donc, j'ai jamais eu envie de pousser vraiment mes études, me dire Star Trek, ça va m'aider à, enfin, je vais, grâce à Star Trek, je vais vouloir connaître le secret des étoiles, tout ça. En tout cas, grâce à Star Trek, enfin, j'ai acquis une ouverture d'esprit envers les sociétés, même si ce qui se passe actuellement, enfin ce qui peut se passer actuellement, c'est pas forcément ce que j'aimerais voir. Mais grâce à Star Trek aussi, je me suis plus ouvert au monde parce que ce soit dans n'importe quelle série, on parle de tolérance, de respect, d'altruisme. Ouais. Et en fait, de base, je vais un peu raconter ma vie, hein, Non, mais mais c'est le concept. Tu es là pour ça. de base, je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Je vais rencontrer quelqu'un dans la rue, il va me parler, il va me dire bonjour. Ça peut être la personne la plus avenante du monde. Je vais rester en retrait et je vais pas lui parler. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé lors de l'enregistrement sur les Star Trek de 2009 qu'on a fait ensemble. C'est vrai qu'on avait, toi et moi, on avait déjà discuté, mais avec les autres, pas du tout. Donc, c'est aussi pour ça que je n'ai pas trop parlé. Bon, hormis que j'avais aussi des problèmes de connexion, c'est aussi pour ça que je parlais pas trop. Mais voilà, c'est quelque chose sur lequel je travaille et c'est grâce à justement à Star Trek que je travaille sur ça. Ça m'a permis en fait de m'ouvrir à certaines, je vais pas dire m'ouvrir au monde, ça m'a permis de m'ouvrir plus à certaines personnes et ça m'a permis de finalement vivre ma vie sans me préoccuper de ce que les autres peuvent penser. Ouais, je vois. C'est très intéressant. Après, voilà, plus que l'esprit Star Trek, c'est vraiment l'esprit Starfleet. Enfin, je pense, ce que tu nous décris de cette tolérance envers tous et tout le monde. Et c'est vraiment l'esprit nécessaire, je pense, à l'humanité pour évoluer et arriver à passer à autre chose que les conflits actuels, par exemple. Moi, je demande en fait qu'on vive dans un monde à l'instant. Sans parler de vaisseaux spatiaux, de découvertes d'autres espèces, tout ça. Quand on voit que dans les années 60, il y a un Américain lambda, il s'est dit, oui, bah, dans le futur, il y aura plus de guerre, il y aura plus de maladies, il y aura plus de famine, il y aura plus d'argent. On vivra tous égaux sans troquer quoi que ce soit. Bah, j'aimerais en fait que ça arrive. Bon, techniquement, il devrait nous rester encore une centaine d'années avant que ça se fasse, selon Et une troisième guerre mondiale. et une troisième guerre mondiale. C'est ça. Mais On verra. j'espère qu'elle n'arrivera pas, surtout. Non. Ça m'a per... enfin, vraiment tous les jours, j'espère un monde à la Star Trek. Vraiment. Et Ouais. quand je vois qu'on est en train de se taper dessus pour 3 litres de pétrole ou en train d'empoisonner des gens juste pour se faire plus d'argent ou des trucs comme ça, franchement, ça me fait de la peine. Ouais, mais ça. Peut-être qu'il faut en passer par là pour se rendre compte qu'on a besoin d'une évolution. Peut-être. Je sais pas.
Pour partir sur un sujet un peu plus léger, dans l'émission de Star Trek 2009 dont tu parlais tout à l'heure, j'ai remarqué que tu disais que ce qui t'animait le plus souvent, c'était les visuels. C'est d'ailleurs ce qui t'avait fait apprécier le film. T'aurais peut-être un ou deux ou plusieurs concepts en particulier qui te plairaient chez Star Trek, peut-être les designs, je sais pas, les effets spéciaux des séries récentes ou. Comment te dire ça? C'est vrai que je suis vraiment porté sur le visuel, que ce soit sur n'importe quelle série, que ce soit de science-fiction ou n'importe quoi. Enfin, je peux pas dire n'importe quoi, plutôt n'importe quel thème de série. Je suis vraiment porté sur le visuel. C'est, je pense aussi pour ça que j'ai eu du mal à accrocher à la nouvelle génération, à Deep Space Nine et à la série originale. Parce que, bah, comme on le soulignait juste tout à l'heure, c'était pas les mêmes effets spéciaux. Voyager, ça se rapproche déjà un peu plus de ce qu'on fait aujourd'hui. Même si c'était il y a, Voyager, c'était en 95. Bah après c'est vrai que avec les images de synthèse maintenant on avait enfin pour Enterprise et Voyager il y avait plus de liberté donc je trouvais que c'était plus Voyager, je trouve, n'a vraiment pas tant vieilli que ça. Hein. Il y a, non. à la limite, bon, les aliens faits en CGI, je sais plus comment il s'appelle, l'espèce 8472, je sais plus. 72 c'est Ouais. ça. Là, à la limite, quand je les vois, je me dis, bah, c'est quoi ce truc? Pareil dans Enterprise, quand je vois les Sullivan qui marchent au plafond, ça me retourne un petit peu. Mais tout le reste, les vaisseaux, enfin, l'animation est très jolie. De manière générale, les effets spéciaux sont très sympas. Effectivement, c'est vrai. Et je repense souvent à Voyager parce que on voit pas de différence entre au niveau du Voyager, des plans du Voyager, de la saison 1 à la fin de la saison 3, c'était une maquette. Et à partir de la saison 4, c'est un vaisseau fait en 3D. Je savais pas ça, tu Et vois. c'est un vaisseau qui est fait en 3D et on se rend même pas compte, en fait, qu'il y a eu un changement. C'est tellement bien réalisé et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs accrocher aussi à Voyager. Concrètement, quand je regarde la série originale, effectivement, c'était dans les années 60, on voit bien que c'est une maquette. Même pour la nouvelle génération, on voit bien que les vaisseaux, ce sont des maquettes. Donc, même pour Deep Space Nine, il me semble. Je saurais pas te dire du tout. C'est là qu'il nous faut l'expertise de JP. Mais Merci JP, tu nous entends. voilà, tu peux nous envoyer un message. Ouais, mais c'est vrai, tu m'apprends un truc. Hein, je savais pas du tout qu'ils avaient changé d'une maquette pour un scan, quoi. C'est vraiment sympa. Ouais, non, non, j'ai rien vu du tout. Ça veut dire que c'est super bien fait en fait. Ouais. Mais ce que j'y repense, parce que justement actuellement je suis à fond dans Voyager là, et je viens de commencer la saison 4 là, il y a 2 jours, je me suis fait 10 premiers épisodes de la saison 4. Et en les regardant, je me suis dit au final, waouh, bah ça a super bien vieilli en fait. Comment dire ça? Ouais, à la limite, Il y le a pas. seul truc qui cloche, c'est la coiffure de Janeway. Oh, je l'adore. C'est mon personnage préféré. C'est un peu comme une maman, hein, mais autant dire Ben, que son c'est chignon, non, c'est pas possible. Son gros chignon. vrai, Dieu merci, à partir de la saison 4, à nous faire une coupe au carré. Mais sans enfin, d'ailleurs. Après, effectivement, j'avoue que cette coupe de cheveux, c'était pas forcément la meilleure. Ouais, on n'a pas parlé de Discovery qui a des visuels magnifiques. Oh oui. D'ailleurs, tu savais que ils avaient un budget de 8 millions de dollars par épisode. Non, c'est énorme. 8 millions de dollars pour bah, les décors et surtout pour les effets spéciaux. Mais bah, si l'étalonnage était moins sombre, je pense qu'on les verrait bien. Mais non, mais ça, c'est un problème de début de saison. Visuellement, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Discovery. Je disais tout ce concept-là de. J'ai perdu le mot. Des sports, du réseau sporique. Je trouve ça visuellement, c'est beau. T'as tout qui flotte, t'as plein de couleurs, c'est vraiment magnifique. Et enfin, tu vois pas, t'as vraiment. On a atteint, bon, c'est pas Discovery, ça a été fait depuis Avatar, ça fait une dizaine d'années qu'on en est là, mais on a atteint un niveau où ben, quand Michael se retrouve dans cette scène, dans cette pièce avec tous les sports autour d'elle, j'ai vraiment Michael dans une pièce avec des sports autour d'elle, pas Michael sur un fond vert, alors que c'est C'est probablement ça. comme ça que ça a été fait. C'est vrai que visuellement, Discovery, c'est magnifique.
C'est vrai que quand, par exemple, je revois cette scène où, c'est, je crois, l'avant-dernier épisode où on voit le Discovery revenir son univers d'origine et on voit sur l'écran principal du vaisseau tout le chemin que le vaisseau est en train de faire dans le réseau mycélien. Je sais pas si tu te souviens de ça. Oui, il tourne à droite, il tourne à gauche, ça Il fait tourne à très gauche et ça fait très oui, Walt Disney c'est ça. Futuroscope. Mais c'est à ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est vraiment super bien réalisé. Ils ont vraiment fait du bon boulot. Et en fait, ils se sont ancrés à ce qu'on est capable de faire maintenant. Et quand je regarde cette scène, je me dis au final, bah dans les anciens Star Trek, on aurait été incapable de faire ça, parce qu'il n'y avait pas les mêmes effets spéciaux, c'était pas les mêmes, comment dire ça, parce que les mêmes programmes. Je sais pas si on peut dire, enfin, je sais pas Oui, c'était comment. pas les mêmes machines, de toute façon. Ouais, les mêmes Et puis machines. bon, la série des années 60, il n'y avait pas d'effets spéciaux tout court. C'était que, enfin, c'est, si, mais c'était pas du CGI, c'était que des effets pratiques. Voilà. Enfin, c'est, oui, mais c'est tout à fait normal. Mais bon, d'un côté, ils étaient, enfin, ces séries-là étaient obligées de compenser avec des thèmes et des dialogues peut-être un peu, un peu plus. Je sais pas comment dire ça parce que je veux pas taper sur Discovery parce que c'est une série que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que on n'est pas dans le niveau de méta ou de critique de la société d'une série comme Next Generation, Deep Space Nine ou même la série originale. Enfin, selon moi. Après, c'est vrai que Discovery, c'était plutôt un pari de vouloir faire une série déjà 10 ans avant la série originale. Et en plus de ça, sur une guerre. Après, c'est vrai effectivement que ça reflète actuellement enfin, la société actuelle. On est en guerre, enfin, Ouais, on sait pas comment trop dire pourquoi. ça? Ouais, Pour bon, en des soi, c'est questions vrai que, religieuses, enfin d'extrémisme religieux, oui. à vrai dire, maintenant, je même plus de ce qui se passe, hein. Tu sais, les informations, je regarde plus, donc je sais même plus où on en est dans tout ça. Je sais pas après, enfin, je sais pas comment te dire, mais non, vraiment là, je sais pas comment te tourner le truc. C'est pas grave. Je préfère le garder pour moi, pour le moment. Non, mais après, c'est dès qu'on commence à toucher des sujets un peu épineux. Après, de toute façon, on peut difficilement juger une série sur une première saison. Comme je l'ai plusieurs fois dit, la première saison de Next Generation, franchement, tu peux virer la moitié, voire les trois quarts des épisodes. Il y a plein de trucs qui vont pas. C'est pas mauvais, mais c'est franchement moyen, moyen moins, quoi. Pareil pour la première saison de Deep Space Nine. Enfin, je trouve que ce serait trop facile de ma part et de la part de pas mal de gens sur Internet de taper sur Discovery déjà. Après, voilà, il faut faire des critiques, c'est certain, pour éviter de continuer certaines choses qui ne vont pas. Mais voilà, peut-être réviser nos jugements et ne peut-être pas taper gratuitement dessus. En soi, une série ne peut pas être parfaite dès les 5 premières minutes. Donc, effectivement, ils vont faire des choses pendant la première saison, ils vont peut-être commettre des erreurs, mais qu'ils vont corriger à partir de la saison 2. D'ailleurs, enfin, à vrai dire, j'ai jamais été plus loin que l'épisode 3 ou 4 de la première saison de la nouvelle génération. J'ai directement attaqué par la saison 3. Parce que de mémoire, de ce qu'on m'a dit, ou enfin, de ce que j'avais lu, la série décollait vraiment à partir de la saison 3. Ouais, la série décolle à partir de la saison 3, mais moi j'aime énormément la saison 2, parce qu'il y a un nouveau docteur, et c'est tout bête, mais j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup ce personnage. Et non, il y a pas mal de concepts intéressants dans la saison 2, mais c'est vrai que oui, tout se met vraiment en place à partir de la saison 3. Après, concernant Deep Space Nine, je suis actuellement en cours de visionnage de la première saison. De mémoire, je dois être à l'épisode 4 ou 5. Donc pour moi, j'arrive pas à me forger d'avis, mis à part que je trouve que c'est un peu long. Mais je trouve juste qu'effectivement que là pour moi c'est un peu long, la mise en place. Mais justement, c'est une mise en place pour moi, donc je pense que c'est le temps que chacun des personnages se développe et que ça donne au final quelque chose. J'ai justement hâte dans Deep Space Nine, pardon, d'arriver à la guerre du Dominion. Ce qui paraît que c'est à partir de là vraiment que la série c'est vraiment le meilleur de ce qu'elle peut donner.
Moi, De ce que j'ai pu lire. c'est la partie que j'ai le moins aimée. Après, le traitement de la guerre en soi est vraiment très bon. Il y a ben, ce côté réaliste il y a des choses horribles qui se passent pendant la guerre. Pourquoi est-ce qu'on se bat? Il faut jamais oublier. Et ça donne certains très très bons épisodes, notamment sur O'Brien, sur Bachir, qui ont droit vraiment à certains épisodes. Je me souviens d'un épisode de Bachir qui se retrouve de l'autre côté des lignes ennemies et face à un dilemme, est-ce que je dois soigner une personne qui est mon ennemi et prendre le risque de me faire tuer ou est-ce que je le laisse mourir là? Parce que on a beau parler du serment d'Hippocrate, au bout d'un moment tu l'oublies ce truc quand t'es dans une situation très, très périlleuse. Enfin bref, c'est vrai que oui, avec la guerre, il y a des très bons thèmes, mais moi c'est pas forcément ce qui m'a le plus plu chez Deep Space Nine. Moi, j'aimais justement la période de paix avant et le. Enfin bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Bon, ça après, voilà, j'y suis pas encore. Je crois que c'est à partir de la saison 5, ça, il me semble, non? Je sais plus. Je sais plus. Bon, j'ai du chemin quand même, Oui, ça doit être par là. De toute façon, tu disais, tu en es à la troisième saison? Non, troisième saison de la nouvelle génération, mais je suis toujours à la saison 1 de Deep Space Ah, Nine. pardon. Pardon, j'ai mal compris. Ok. Oui, après, bon, t'as l'arrivée de Worf aussi qui envoie du lourd. Non, mais il y a quelques trucs sympas. Enfin, tu vas voir. Moi, enfin, si je dis que Deep Space Nine J'ai est ma beaucoup série. cherché. Ah, ça vient peut-être de moi? Est-ce que tu m'entends? Je remettrai un petit bruitage. Bref. De toute façon, je ne sais plus ce que je disais, mais bon, bref, Deep Space Nine, c'est ma série favorite, et puis voilà. Ah, juste, il me semble que Deep Space Nine, c'est plus, enfin, elle se démarque apparemment de toutes les autres séries, car elle approfondirait certains sujets. Après, je sais pas quoi exactement, mais En c'est ce que fait. j'ai pu, enfin, c'est ce qui est ressorti le plus, j'ai l'impression, que certains sujets dans Deep Space Nine ne sont pas traités dans les autres séries. C'est une série beaucoup plus sombre dans l'esprit, mais pas sombre façon Discovery. C'est-à-dire que. Si, quelque part, si, ça pourrait être des cousines. Voilà, on parle de la guerre, comme on disait, vraiment de manière crue et réaliste. Et Deep Space Nine nous montre que même si on est dans un univers utopiste, Star Trek c'est très utopique. Rien ni personne n'est parfait en fait. Il y a beaucoup de dilemmes moraux. Et puis il y a énormément aussi de les personnages évoluent énormément entre la première saison et la dernière saison. Leurs relations évoluent énormément. Par rapport à un voyageur où on a des concepts de personnages, ou Harry Kim, premier épisode et dernier épisode, c'est exactement le même personnage. Mais là, il n'y a pas un personnage qui est pareil. T'as des. Nog, par exemple, le petit Ferengi, t'as dû le rencontrer, qui prend une ampleur au fur et à mesure du temps, qui devient un personnage extrêmement intéressant, et qui est d'ailleurs, il est très bien utilisé durant la guerre du Dominion, enfin, tu verras, mais je pense que c'est surtout dans son traitement métaphysique que Deep Space Nine est différent des autres séries, parce que voilà, c'est une série en continuité, là où les autres, même si elles ont un léger fil rouge, tu peux prendre n'importe quel épisode de Next Generation, t'as pas de date particulière à savoir. Il y a juste un avant et un après la mort de. J'ai perdu de Kara, de Tasha Yar. Pareil, dans Voyageurs, il me semble pas qu'il y ait de moment. Si, il y a un avant et un après Seven of Nine, mais c'est tout. Même dans Enterprise, au final. Non.
Enterprise avec la saison 3, c'est particulier. Mais Ouais, c'est vrai que saison même 3 la est un peu saison hors 4, contexte. ouais, ouais, voilà. Deep Space Nine est différente dans son traitement, en fait. Les sujets abordés, voilà, c'est plus sombre, mais c'est pas forcément plus profond parce que les autres séries peuvent aller vachement dans la profondeur par moment. Je pense notamment à tout le traitement des Borg de Voyager. Sans Voyager, les Borg, ce serait toujours cet ennemi inconnu, machin. C'est ça, effectivement, c'est vrai que bah, c'est d'ailleurs ce que j'ai beaucoup plus apprécié dans Voyager, parce que les Borg, c'est vraiment mes ennemis préférés, parce qu'ils sont imprévisibles et que quoi qu'on fasse contre eux, de toute façon, on perd toujours. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, effectivement, parce que c'est un ennemi, finalement, qu'ils n'arrivent pas à battre. Ils peuvent toujours... Enfin, le Voyager a mis en place de nombreuses techniques pour essayer de combattre les Borg, mais au final, ils n'ont jamais réussi à les battre. Bon, hormis dans le dernier épisode où Ils prennent quand même une sacrée branlée. voilà, ça faut le dire, avec la destruction de tout un uni complexe, tout un réseau de transdistorsion, et puis bah la reine, on sait pas ce qu'elle devient. Enfin, si officieusement dans Star Trek Online, on sait ce qu'elle devient, mais ça c'est voilà, c'est C'est pas autre très loin. chose. Après justement, et pour rebondir, ça me fait penser dans bah justement c'est la fin de la saison 3. Début de saison 4, quand le Voyager fait une alliance avec les Borg, Capitaine Janeway fait référence à Locutus. Et j'ai voulu regarder l'épisode de la nouvelle génération sur Locutus, mais j'ai pas réussi à accrocher, bizarrement. Il y avait eu d'autres confrontations, du coup on avait commencé déjà à apprendre à avoir peur de cette race, Je crois que je te perds de à cette nouveau. espèce. Attends, tu m'entends pas? Ah, ça avait coupé, donc j'ai pas entendu le début, désolé. Je disais, après on avait eu l'occasion de voir à plusieurs reprises les Borg déjà dans Next Generation, du coup on avait appris à les craindre, à en avoir peur. Je pense que dans la continuité de Next Generation, ça passe. L'épisode est bon. Après, voir cet épisode en solo, je ne sais pas trop ce que ça donnerait. Après avoir effectivement... De toute façon, faut que je me refasse tout là. Donc, là, je suis en plein marathon Voyager. Après, je vais enchaîner sur Deep Space Bon Nine. courage. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voulais aborder? S'il vous plaît, arrêtez de taper sur Discovery. Bah, Non, non, mais... ça changera avec le temps. Bah, j'espère... Non, parce qu'en fait, c'est des détails. En fait, finalement, les gens, j'ai l'impression qu'ils se tapent dessus pour des détails. Donc, enfin, il y a quelque chose qui m'a marqué surtout, c'est que à l'arrivée de Discovery, pour la première bande-annonce, on a vu les nouveaux uniformes. Franchement, je trouve que cet uniforme, il est plutôt pas mal. C'est plutôt bien cintré en fonction de la personne qui le porte. C'est pas une sorte de pyjama avec un pantalon pas de def. Ouais, il fait plus militaire. On avait déjà, ouais, effectivement, ce côté plus militaire dans Enterprise. Enfin, pas militaire, je dirais plus combinaison d'astronautes. Ouais, voilà. Déjà, c'est quelque chose que j'avais apprécié, parce que quand on voit, par exemple, que dans la nouvelle génération, le haut de l'uniforme, c'est une sorte de pull, et en bas, c'est un pantalon. Parce que je revois toujours cette scène de Jean-Luc Picard qui est toujours en train de rebaisser son haut. Ah, c'est trop cool ça. Enfin, je trouvais ça bizarre pour un uniforme d'avoir une démarcation. Donc après, c'est vrai que pour les uniformes dans Discovery, j'ai vraiment apprécié. Et tout le monde a crié au scandale parce que ils étaient complètement différents des uniformes de la nouvelle génération. Pas de la nouvelle génération, de la série originale, pardon. Ouais. Pas pour moi. En disant que c'était pas normal parce que on avait une veste cintrée, et on avait des bottes qui passaient au-dessus du pantalon, que c'était trop détaillé. Et que en fait, ça devrait plutôt se rapprocher des uniformes de la série originale. Après, moi, la remarque que je me suis faite, c'est que les uniformes, ils évoluent rapidement. Par exemple, la nouvelle génération, je crois que ça commence en 2362. Je ne saurais pas te dire. Désolé. Je crois que c'est Mais... fin des années 2360, et Voyager, c'est début, je crois que c'est 2371 de mémoire. Et on voit qu'en fait, les séries, elles se passent en même temps, et les uniformes sont pas du tout les mêmes. Et Non. ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre pourquoi les Non. gens crient au scandale, parce que l'uniforme de Discovery est complètement différent de celui de la série originale. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, que j'arrive pas à comprendre. Enfin, oui, effectivement, l'uniforme est différent, mais c'est normal, enfin, il y a 10 ans d'écart. Oui. Donc, pour eux, c'est le seul point négatif, en fait, de la série.
pour eux, c'est un point négatif, une incohérence, alors que bah, il y a déjà eu dans les autres séries précédemment. Donc voilà. Ok. Ben écoute, je pense que on a un peu résumé ta personnalité et ta psychologie. Ça devrait un peu aider nos auditeurs. J'espère. Merci beaucoup, Byron. À toi. Merci à toi. À très bientôt. Je pense qu'on À très va bientôt. se Oui. revoir d'ici quelques jours pour l'enregistrement de la prochaine émission. C'est ça. Les auditeurs, n'hésitez pas à commenter ce qui a été dit ici et à nous donner vos avis sur ce concept d'émission. N'oubliez pas le hashtag Noobtrek sur Twitter. Allez regarder au passage d'ailleurs les pages Facebook et Twitter et Instagram, je viens de le découvrir, Star Trek Discovery France, parce que ça ne mange pas de pain, c'est toujours sympa, ça nous permet d'être relié à l'actualité. Vivez longuement et de manière prospère, à très bientôt et bonne soirée. Il faut vraiment que j'apprenne à conclure, ça m'énerve. Star Trek pour les nuls.